après s'être appartenu. Quand tu danses, y songes-tu? Qui sont destinées à illustrer les chansons ou ça raconte des histoires totalement parallèles? Sont des photos qui n'ont pas de rapport avec les chansons dans le sens où elles existaient parallèlement ou même avant l'écriture de ces chansons. Mais je trouve qu'il y a des analogies dans la façon de photographier de Claude et dans ma façon de composer et d'écrire. Mm-hmm. C'est pas un hasard si beaucoup de ces photos sont au noir et blanc, s'il aime bien les ombres, s'il aime bien les flous. S'il aime bien les côtés un peu cassés comme ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble depuis aussi pareil une dizaine d'années. Et il avait dans ses cartons des photos dont personne ne voulait, qui étaient en fait ces photos de photographes et pas de photographes utilitaires professionnels. Mm-hmm. Et j'ai trouvé... Des photos perso, on dirait. Quoi. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Et j'ai trouvé qu'elles pouvaient très très bien correspondre à certaines des chansons. Mm-hmm. La chanson pour Les mains, c'est une photo qui a été prise à Prague en 1990. Ouais. Hein. C'est un véritable tour du monde, hein, parce qu'on passe de New York, Phnom Penh, San Francisco, Londres, les Sables d'Olonne, Saint-Pétersbourg, l'Écosse, New York, Paris, etc. Le noir et blanc, justement, est-ce que c'est un simple formalisme esthétique ou est-ce que c'est, comme il y a 10 ans, nouvelles histoires entre les clairs et les foncés? Ouais, je crois que c'est une couleur récurrente, on va dire, dans ma musique, dans ma façon de voir les choses, mais dans mes textes, c'est-à-dire de sentir que tout se passe plutôt entre ces deux extrémités. Quoi. Mm-hmm. Vous qui avez le talent d'écrire à la fois les paroles et la musique, par quoi commencez-vous? Par le travail musical? Oui, c'est celui-là qui est vraiment déterminant. Parallèlement, il y a, je vais dire,
le curieux, quoi, qui note sur un carnet des idées de thèmes, des situations un peu paradoxales et qui ont pu me toucher ou qui ont pu m'intéresser. Mm-hmm. Et j'écris, disons, des idées un peu sur un thème ou l'autre. Et une fois que 10 ou 11 sujets sont mûrs, le travail de l'écriture commence, mais il ne commence jamais sans mélodie. C'est-à-dire, le mot est vraiment absolument l'esclave ou le valet de la musique. Alors Yves Simon, dans l'article qui est paru dans le Nouvel Observateur, parlait de votre carnet Clairefontaine, ça, oui. Dans lequel vous notez tous les jours quelque chose, une idée, ou ce que vous avez à faire, je ne sais pas précisément. Qu'est-ce que vous avez noté aujourd'hui? Vous en souvenez? Vous avez noté quelque chose? Il faut que je mette mes lunettes, parce que c'est un tout petit carnet. Ah oui, c'est vraiment un petit carnet. Où sont mes lunettes? Elles sont là. Je peux vous prêter les miennes, s'il vous plaît? Ça doit être la même maladie, à peu près, ouais. À mon avis. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, qu'il faut que j'aille chercher justement mes nouvelles lunettes, parce que celles-ci sont pas assez. Voilà, des rendez-vous, que le gars des montages playback. Bon voilà, ça c'est sur le plan strictement je dirais, professionnel. Et puis sinon, de l'autre côté, il y a 3-4 idées de concerts, des idées de chansons. Ouais. Et vous notez aussi les débuts de chansons, les idées de chansons sur ce même plan internet. Oui. Au bout de 2-3 ans, je fais la liste. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. À côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil à la fin du jour. La photo n'est pas bonne. Le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi.
simplement. Est-ce que vous avez besoin d'être en manque pour écrire? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine période entre un certain travail que vous avez fait pour vous ou pour d'autres, pour que justement ce fourmillement revienne, cette envie, ce besoin, ce manque, oui. Mais il faut revivre un peu, il faut être dans la vie. C'est une période forcément où on a repris des habitudes, de voir des amis, des choses comme ça. Après un album, en général, je suis complètement vide. Mm-hmm. Et la tournée, par exemple, est un bon moyen de retomber, de revivre des choses, quoi. D'être avec des amis, de jouer, d'être absolument stupide et adolescent. C'est le premier job que j'ai eu aux États-Unis et j'ai jamais pu le faire. C'est vrai, quoi, faire des crêpes? Ouais, c'était assinateur, ça s'appelait crêpes de Paris. Ouais. Mais j'ai jamais appris à le faire. Et c'était où? C'était à Seattle. Ah, à Seattle? Donc j'ai jamais réussi. C'est un art. Il faut juste prendre le coup. On peut galérer au début. Moi j'ai bossé à peu près à... Combien ça t'a pris pour l'apprendre? Non, pas longtemps en fait. En 2-3 jours, honnêtement, tu prends vite le coup, quoi. Ah bon? Ouais. Le truc, c'est qu'en France, ils utilisent des instruments un petit peu différents. Alors j'avais... Quand je suis arrivé ici et quand j'ai commandé les plaques, il se trouve que les instruments que j'avais étaient complètement différents pour tourner la do et pour faire la crêpe elle-même. Donc ça a changé un peu le... Mm-hmm. That's one lemon. Donc en fait c'est après on a été obligé de trouver encore un autre moyen de... Donc tu avais fait ça en France? En France, ouais, j'avais fait ça à Dijon, chez un copain d'une de mes tantes qui tient une crêperie. Et donc c'est hiver, quoi. Cet hiver j'ai vraiment appris à faire les crêpes les crêpes salées, les crêpes sucrées. Ouais. Et puis on en fait un petit peu en la journée. Quand on a les coups de bourre, par exemple le samedi, c'est vrai que c'est vite la panique, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est quatre. D'habitude, on est en général, on est trois. Ah bon? Trois, ouais. Trois pour qu'il y en ait deux dans la cuisine, pour que ça aille relativement vite. Mm-hmm. Et une personne devant qui gère un peu le dining room. Ah oui, mais pour les clients, oui, c'est suffisant. Mais on va avoir une crêpe complète là, de A à Z. Tu as encore deux lemon et une strawberry pour ça? Oui. Il y a trois personnes qui savent le faire là. Ouais. Trois magiciens. Ouais. Et plutôt deux magiciens et une magicienne. Non, parce que non, il y a. Deux magiciennes et un magicien. Deux magiciennes et un magicien. Mon pote, il sait pas trop bien les faire. Ah bon. D'habitude, il est juste devant. Enfin, bon, il m'a demandé d'aller devant. Tu lui as appris, ouais. Parce que tu étais arrivé. Mais non, sinon, d'habitude, il est. Parce qu'il est pas terrible. Ah bon? Non. Encore une lemon. Les sucrés, c'est ce qui se vend mieux? Au début, oui, parce que les gens connaissent pas tellement la crêpe aux États-Unis. Ah d'accord, donc ils te demandaient d'avoir la sucrée. Donc en fait, ouais, ils ont en général essayé les sweet crêpes à Paris et pas vraiment les ham and cheese ou chicken ou turkey. Et là, il se trouve que bah, depuis deux semaines maintenant, c'est vrai qu'on a une demande pour les ham and cheese, les chicken, les turkey. Et les gens s'habituent un petit peu à avoir en fait des crêpes sucrées et salées, quoi. D'accord. Ça c'est une lemon. Oui. Je mets tous les soirs en live de voir de la route, des endroits nouveaux, ça ressource énormément. La scène est très importante pour vous. Elle est devenue.
C'était quelque chose qui n'était pas du tout, qui ne m'attirait pas du tout, qui était presque contre nature. Mais depuis une dizaine d'années, il y a un rapport qui s'est instauré avec le public et auquel je suis maintenant très attaché. Quand vous dites contre nature, ça veut dire quoi, la timidité Oui, ça veut dire que j'ai toujours adoré aller au concert mais être dans la salle, que être sous les lumières ne m'était pas naturel, qu'il a fallu que je prenne des médicaments. J'ai vraiment une aide presque médicale quoi, pour pouvoir ne serait-ce qu'être cohérent sur scène, quoi, et garder les moyens. Mais ensuite, ces choses-là s'apprennent. Et est-ce que c'est devenu une sorte de thérapie? La scène vous a apporté beaucoup de choses dans la vie, dans votre attitude envers les autres? Pas vraiment une thérapie, mais comme toutes les choses qu'on fait un peu contre nature, sont des choses qui... En général, on s'en tire pas trop mal. Bon, c'est vrai que le samedi, tu vois, c'est un peu visible parce que c'est un peu la panique. Alors, on est obligé de couper en plein milieu et avoir et faire de la pâte en plein milieu. Mais sinon, ça va. Ça va, de toute façon, quand les gens sont pas là, vous pouvez cuisiner devant. Hein. Ça va. Ouais. Et les crêpes, elles sont faites tout de suite, c'est-à-dire au fur et à mesure de la demande, c'est ça? Ouais, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas... C'est pas fait à l'avance, ouais. C'est pas fait à l'avance, non, on les fait, parce que les gens, ils pourraient en avoir quelques-unes préparées, enfin, c'est vraiment... C'est toujours frais. Ouais, mais en fait, non, on les fait Donc ça. Là, tu as une commande, là? Là, j'ai une commande, c'est quoi, c'est Nutella Lemon, Nutella Citron et une autre Nutella. Ah super, non. Donc, tu dois en faire des crêpes chaque jour. Ah ouais. Tu dois en faire des centaines. Ah ouais, non. Bah, surtout le week-end, on en fait beaucoup. Tu as enregistré le nom, comme ça personne ne voit le nom. Ouais. On a essayé d'arriver avec un concept relativement facile et... Faut l'enregistrer dans plusieurs états, au cas où tu t'agrandis. Ouais, pour l'instant on a fait juste en Californie. En Californie, ouais. Ah d'accord. C'est bien déjà. Ouais. Alors celle-là, elle est quoi? Ça va être une Nutella. Nutella. Ouais. On utilise du vrai Nutella. Super. Je sais qu'ils ont une succursale ici. Ouais. En fait, les pots qu'on a là, ils sont faits aux États-Unis. Ouais.
She's going to be from here, she goes. C'est un petit peu galère parce que les...
parce que les crêpes accrochent. Quoi. Si tu oublies de mettre un petit peu d'huile, c'est vrai qu'elle a tendance à accrocher surtout sur les bords. C'est un petit peu galère quand t'es petit ici. It's already on, it's taping. Just taping it. Is it running? Yeah. It's running. Let me develop the coverage. That's good, that's good. The keynote is just okay, I just saw that you give me call and get the tape. It says French antiques and decorations, like two blocks from here. Par exemple, la voix de Stallone.